Yo les gars, on dit quoi? Aujourd'hui je fais un petit vlog en voiture pour vous parler un peu de mon absence un peu en ligne dans ces temps-ci. Un instant. Alors, pour sûrement ceux qui ont constaté, il y a pratiquement, voire 3 semaines de cela que je ne publie plus. Et cela est, n'est-ce pas, dû au fait que j'étais souffrant. J'étais souffrant et vous pouvez également le constater sur ma chaîne. Il y avait fait des challenges, j'avais commencé des challenges que je n'ai pas fini. Donc j'ai en un mot, je vais dire, j'ai coupé un peu au fait le fait d'être un peu en ligne. Voilà, je me suis désabonné un peu du social, YouTube, tout. J'ai même supprimé mon canal Telegram parce que je recevais assez de messages et je ne pouvais pas répondre, n'est-ce pas, à ces messages là. Donc il a fallu vraiment que je me désabonne. À un moment de ma vie, j'étais souffrant. Il y a même mon docteur de famille qui me disait monsieur, vous devez, n'est-ce pas, être très loin de votre téléphone pour un moment, parce que là j'avoue que j'étais tellement scotché au téléphone que souvent je ne voyais pas le temps passer. Au fait, je ne voyais pas le temps passer. Et pour ceux qui sont dans mon cas, c'est un conseil que je vous donne, c'est mieux de ne pas être toujours connecté, parce que il faut aussi avoir du temps pour reposer, n'est-ce pas, son esprit. Bref, alors la bonne nouvelle également, c'est le fait que pour le moment, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et sûrement dans ces temps-ci, je vais faire mon coming back, ok. Et mon coming back, ça sera, comme vous le savez tous, des vidéos, voilà, d'analyse sur le marché de l'or, des techniques, des analyses, ok. Aussi des tips, comme on le dit, je pense, c'est des petits secrets, voilà, ici et là, pour, n'est-ce pas, apprendre à trader pour ceux qui font leur début en trading. Voilà, donc je vais pas trop, n'est-ce pas, entrer dans les détails, parce que comme je l'ai dit, cette vidéo c'est juste une vidéo de du coming back, comme je peux l'appeler. Voilà, donc c'est une vidéo qui sera intitulée le retour, peut-être le retour du lion, qui n'est un petit truc, voilà, comme ça, le voilà, un petit truc comme ça, le retour du lion, parce que vraiment, comme vous pouvez le constater, j'ai même maigri un peu. Voilà, c'était chaud les gars, c'était chaud. Donc juste pour vous dire quoi, la vie ne tourne pas seulement qu'autour de l'argent. Il faut avoir le temps aussi pour son corps, sa santé. Tu vois, pour sa santé. Et c'est très important. Alors, sur ce, je ne vais pas m'arrêter avec cette vidéo-là, parce que je dois, n'est-ce pas, aussi répondre à
certains messages que j'ai reçus en privé. Voilà. Alors, j'ai reçu la vidéo et j'ai reçu des questions venant de quelques abonnés. Pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos d'analyse du marché? Donc, déjà, vous pouvez comprendre. La réponse est déjà claire. J'ai déjà donné la réponse au début. Voilà, j'étais souffrant. Donc, je ne pouvais pas trop, n'est-ce pas, me mettre à faire des analyses parce que mon docteur m'a dit d'essayer de me déconnecter un peu du social network, you know, des réseaux sociaux. Donc, c'est ce qu'il a fallu, n'est-ce pas, en un mot, cette absence-là. Donc, dans ces jours-ci, je vais faire tout mon possible pour, n'est-ce pas, revenir et voir un peu comment est-ce que je peux faire de mon mieux pour pouvoir, n'est-ce pas, vous donner le meilleur de moi. Donc, en ce qui concerne les challenges que j'avais, n'est-ce pas, déjà commencé dès le début, je pense bien que ces challenges-là, je vais arrêter. Arrêter tout simplement parce que il a fallu, n'est-ce pas, que il a fallu comment dirais-je, il a fallu cette maladie pour que je puisse comprendre que également ces challenges autres me donnaient un peu de stress. Donc du coup j'arrête le challenge. Peut-être si je vais recommencer le challenge, ça sera dans un futur lointain, je ne sais pas, mais je vais plus me concentrer sur les vidéos concernant l'analyse du marché. Et en plus de l'analyse du marché, je vais me concentrer également sur les vlogs en POV, c'est-à-dire en voiture comme ça, avec quelques conseils qui va vous booster, n'est-ce pas, qui vont vous booster du moins dans votre tout au long de votre parcours au niveau du trading. Voilà, sur ce les amis, je vais pas trop être long sur dans cette vidéo, et vous le savez tous, il faut, n'est-ce pas, penser lorsque vous pensez, n'est-ce pas, au projet, il faut penser au projet avec des objectifs lointains, ok. Donc sur ce, j'espère que dans le temps à venir, dans le futur, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, échanger au niveau du marché de l'or. Surtout, j'aurais peut-être bien voulu, à travers mon coming back, j'aurais peut-être bien voulu faire des vidéos en analysant d'autres marchés, parce qu'il arrive souvent que il y a des opportunités sur d'autres paires, ok, sur d'autres monnaies du forex, qui, n'est-ce pas, pour ceux qui font du swing, ces opportunités là peuvent aider. Voilà, parce que plusieurs fois je vois des entrées, voilà, au niveau du swing trading, ben je ne peux pas prendre, tout simplement parce que je n'analyse pas et je ne trade pas ces marchés là. Donc du coup je me limite seulement qu'au marché de l'or, ok. Mais comme je l'ai dit, dès que je vois l'opportunité sur d'autres marchés, je ne vais pas, n'est-ce pas, m'hasarder à ne pas changer, n'est-ce pas, et mes idées, et de vous dire ce que j'en pense. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un conseiller financier, et cela, je pense bien que vous devez, n'est-ce pas, le savoir. Moi, je suis seulement sur cette canal, je suis seulement pour vous apporter, n'est-ce pas, ce que je sais, ce que je pense, surtout de la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché de l'or. Et
Avoir l'objectif dans un futur lointain est très important, surtout en trading. J'ai vu des gens transformer les 10 euros en 1000 euros en 3 mois. Et cela est possible. Cela est possible tout simplement parce que, comme vous le savez, dès que vous avez l'opportunité sur le marché, il suffit seulement même d'ouvrir une position et attendre, n'est-ce pas? Et d'attendre des mois, voire même des semaines. Il faut être beaucoup patient. On ouvre seulement une position et voilà que le tout est gagné. Je sais que dans ce milieu de trading, la seule chose difficile que les gens n'arrivent pas à respecter, c'est, n'est-ce pas, le fait d'être patient. Parce que souvent, il arrive souvent que lorsque vous tradez pendant des mois, vous voyez que, par exemple, dans 2 semaines, vous voyez un gain de 200 euros. Et les semaines après, vous redescendez peut-être même à 20 euros. Donc, du coup, vous êtes en panique. Pourtant, vous, si vous savez déjà d'où est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, sortir avec votre position, c'est très clair que il faut laisser toujours, n'est-ce pas, le trade couler jusqu'à ce que ça touche votre TP. Ok? Donc, il y a le mindset, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Donc, pour ces personnes qui ne sont pas patients, le petit conseil que je peux vous donner, c'est, n'est-ce pas, le fait de diviser peut-être. Si vous avez un compte de 500 euros, c'est de créer 5 comptes réels. Et dans ces 5 comptes réels-là, vous allez ouvrir, n'est-ce pas, une position. Ok? Dans chaque compte de 100 euros que vous allez créer, à travers les 500 euros que vous mettez, vous allez ouvrir seulement une position. Et ces positions, vous allez les mettre en swing. C'est-à-dire, vous allez chercher l'opportunité sur un marché lointain. Et lorsque vous ouvrez, vous laissez. C'est du set and forget. Vous ouvrez la position, vous laissez, vous-même, vous oubliez même la position. Après 2 mois, 3 mois, c'est vrai que chaque semaine, vous allez essayer de voir un peu qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que votre position a fait, voilà, où est-ce que votre position est arrivée haute. Donc, c'est la meilleure façon de combattre un peu le fait d'être impatient. Ouvrir plusieurs comptes et mettre plusieurs positions en swing. Vous pouvez même tenir 2 positions. Sur lesquels vous allez plus vous baser pour ne pas, n'est-ce pas, dire que vous n'allez pas autoriser le swing, vous allez faire du scalping seulement dessus, mais les 3 autres, vous allez faire du swing, c'est-à-dire vous allez oublier ça pendant 1 mois et autres, juste pour voir ce que ça va créer. Et vous assure, si vous entrez de la bonne façon, de la meilleure des façons, c'est clair que au bout d'1 mois, 2 mois, vous allez voir, n'est-ce pas, votre compte, n'est-ce pas, générer un bon du profit. Donc, sur ce, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, je répète, mon coming back, c'est du loup. Mon coming back, c'est du loup. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir, n'est-ce pas, s'y attendre à beaucoup de choses. Et j'espère que actuellement, je me porte un peu à merveille. Et le reste, voilà. Moi seulement, il faut le dire ouvertement, je suis content de vous revoir. Si je dis que vous m'avez pas manqué, c'est que je ne suis pas sur le vrai, au fait. Donc, sur ce, les gars, on a la prochaine. Et j'espère bien que nous allons nous revoir pour, n'est-ce pas, débattre sur plusieurs sujets et en même temps faire des vidéos sur l'analyse de l'or. Ciao et bonne soirée à vous.
Je vous aime, je vous adore et à nos revoir.